manger mon gars à Louis. Ici comment me gérer. Ali raconte à ce jour, je ne veux pas le quitter. Même si les voyous, c'est mourir à moi. Ali raconte à ce jour, je ne veux pas le changer. Le client là m'énerve. Je voulais même le bafler avec mes cinq doigts-ci. Tu es vraiment énervé. De toute façon, tu dis, au lieu de dire cinq doigts, tu dis cinq mains là. C'est grave. C'est vrai que le gars là, t'as fait ça dur. Tu parles. Même le patron était dépassé. C'est lui qui nous freine. Sinon, on aurait déjà terminé le dossier là. Pourquoi il est comme ça? Il ne sait pas que ça avait l'argent là que toi, tu m'entretiens ici à la maison. N'est-ce pas? C'est le fils d'un grand dans ce pays. Comme toi, tu es le fils de Tchakounté là. Vraiment. Ça va, mon chéri. Calme-toi. Bonne arrivée, mon Jax. Non, mais il se prend même pour qui? Adou, c'est quoi? Adou, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi cette nuit? Quelque chose ne va pas. Les Anglais sont là. Les Anglais? Où? Qui les a invités chez nous? Les casques rouges sont là. Les casques rouges font quoi ici? Tu as fait quoi? La mer rouge est là, oh. Et qui? Ok, les magouillards rouges sont là. Les magouillards rouges? Ils ont fait comment pour entrer dans la maison? Ouais, t'as écouté, pourquoi je suis comme ça? Je saigne. Mes règles sont là. Oh, Adou, c'est la première fois que tu saignes, toi aussi. Il faut que tu me donnes l'argent et pas acheter mes fighters. Moi? Non, Adou, tu exagères. Tu exagères. N'étais pas OG, les 10 000 que je m'as laissé le matin, je n'ai même pas pu acheter mes caleçons avec ça. Parce que net, quand tu es parti là, le gaz est fini. Je suis entré au frigo pour chercher s'il n'y avait rien à manger. J'ai dit rien. J'ai tout acheté jusqu'au sel. Donc là où je suis là, je n'ai même plus 5 francs. Il faut que je me redonne encore l'argent pour mes caleçons. Et il y a aussi le mariage qu'on doit partir le week-end là. Moi, j'ai vu la robe que je t'ai demandé là, c'est 45 000. La chaussure, c'est 30 000. Il y a le sac. Il y a ta mère qui a dit que tu lui envoies 50 000 pour qu'elle achète son habit avec ta soeur là. Donc, il faut que tu sapes l'argent là, tu me donnes. Moi, je ne vais pas acheter tout ça. Ajoute encore. Tant que vous ne m'avez pas étalé ici mort, vous ne pouvez pas me laisser. Vous qui? Ta famille et la mienne. Je suis fatigué, je ne peux pas m'occuper de tout ça. Tu ne t'occupes pas de ça, qui va s'occuper de ça? Est-ce que moi je travaille? Ça coûte pas, non, faut compter l'argent, tu me donnes, moi je ne vais pas faire ce que j'ai à faire. Je crois que j'ai réfléchi à quelque chose. Il faut que je te trouve un travail. Voilà! Voilà que tu parles bien. Depuis que tu dis ici que je veux travailler, tu me sors les raisons comme quoi, oh, on va te draguer, oh, on va te... Voilà! Tu ne sais pas que je peux t'aider avec les tâches dans cette maison, Tchakounté. Avec mon premier salaire, je veux faire quelque chose de magnifique. Je suis impatient de savoir ce que tu vas faire avec ton premier salaire. Avec mon premier salaire, je vais m'acheter des jolis vêtements, des longues greffes, des ongles, des rouges à lèvres, des cils, des sacs à main de marque. Tu vas voir, le style sera au rendez-vous. Tu vas faire ça et qui va s'occuper de ta famille? C'est moi qui m'occupe de ma famille maintenant. C'est qui? C'est moi. Tchakounté, si j'arrive déjà à te laisser respirer par rapport à mes besoins, ce n'est pas une tâche de moins que je t'enlève. Hey. Tu m'enlèves une tâche comment? N'est-ce pas que tu es là pour me soutenir? On se partage les tâches. Tu ne sais pas que le fait que je puisse déjà prendre soin de moi, c'est une tâche de moins pour toi.